Dans Balati Bonit là, oui, pour parler avec correspondant nous, Nixon Deneyus, puisque il y a un commissaire gouvernement AI et Parquet Saint-Maclan qui a annoncé gagner plusieurs arrestations qui faites dans le cadre opération la police a mené contre gang dans Balati Bonit là. Nixon, bonjour. Bonjour Guerrier Gisèle, Donny Ferdinand, Mathieu, ma consiste chandelle qui n'a pas passé. En tout cas, et moi pas là, pas arrêté de l'eau pour moi. Donc salutations. Donny Ferdinand, vous avez pas, comment nous y est? Donc salutations. Johnny en forme. Ok, nous allons aller rapidement. Salutations à Célay ou Capture Journal Grand Boulevard à travers radio, télévision des âmes du pasteur Joseph Odalis. Nous saluons Célay autour qui sur radio, la Tiboulet, toute radio Sayo qui toujours permet que Zamio Capture Journal Grand Boulevard, Radio Caraïbe FM, Dynamique FM, L'Union, Vibration Inter, Radio Delta, Acme Galaxy. Nous allons aller rapidement avec information. Yo, agent police nationale d'Haïti qui a affecté dans le commissariat en Saint-Macio, yo tamé yon opération coucou rouge contre yon série de nègres à Xam, eh bien, qui vient cacher tête yo dans cité Nissage en Sagia, selon le commissaire gouvernement pour un petit bout de temps, Paquet Saint-Macla, Maître Vincent François, eh bien, chef Paquet, qui parle de trop de détails en ce qui a fait opération ça lui fait connait yo possédé arrestation à quelques nan nèg sa yo mais gen en pile nan yo qui gen contact avec chef gang Canaran mais qui lui-même déjà chapé pour lui puisque lui t'apral connait et que la police t'apral nan zone nan et bien commissaire gouvernement pour petit bout temps dit yo pas camper du tout avec opération ça tout autant yo pas arrivé à démanteler nèg exam sa yo et bien qui déjà occupé plusieurs côté dans cité Nissage à Sagia tant pour zone Pleurasso l'homme cassé pour cité Sayo seulement et bien nèg exam Sayo yo déjà kidnappé yon ti moun à 10 l'année côté yo té réclamé 200 000 dollars haïtiens comme rançon et bien après négociation yo té accepté 10 000 dollars haïtiens pour té libérer ti moun ça selon chef Paquet Saint-Macla Maître Vincent François. Groupe Nexayo, eh bien, cap, groupe Nexayo, exam sa yo, cap développé dans ville là, eh bien, yo commencé by en pile inquiétude à population, puisque en pile monde, qu'il soit, et contrairement, et en pile monde qui compte sortir surtout pour aller dans la Tibonite, pas dormi, du côté de Portail des Guêpes, et que Johnny Ferdinand connaît ça très bien, eh bien, Mounio est obligé à contrôler à sortir, puisque ça pas fait longtemps, gagné un jeune garçon, donc monsieur yo, yo te kidnappé, dans cité Nissage à Sagia côté d'al atterri avec lui dans commune Montri et puis l'autre information pour nous finir après plus passer yon l'année yo te fermé porte yo bureau régional à DGI Semak et bien li relouvri porte yo donc bureau a été fermé après groupe manifestant et saboté dans quatre manifestations violentes qui t'a fait pour te réclamer à démission premier ministre à de facto qui c'est docteur Ariel Henry manifestant yo yo te pour aller matériel et équipement qui était en dans bureau à DGI Semak donc quelqu'un Boukayo qui t'a parlé à presse régionale là yo souhaité si toutefois à gagner manifestation que population yo protéger patrimoine ça Nixon Deneyus depuis Semak pour Radio Caraïbe FM. Merci un peu Nixon Deneyus qui t'a informé nous depuis Semak.